Go Black Cats, Coupe de France, c'est parti! Combourg et son célèbre château sont les protagonistes d'une nouvelle belle histoire de Coupe de France. Celle d'un club breton d'à peine 6 mois, bien décidé à survivre au 5e tour. Le Sporting Club de Combourg, avant toute chose, c'est plus qu'un club de foot. C'est des potes, on est juste des passionnés, et des passionnés du foot, quand ça joue plus, ça transmet son savoir, ça transmet ses valeurs, ça transmet tout ce qu'on nous a appris déjà, à nous. On a essayé de faire original et surtout quelque chose de motivant. Faites rimer Combourg avec 6e tour. Comme son nom l'indique, la Coupe de France, la Coupe de tous les possibles. On en est vraiment la preuve vivante. Club monté officiellement en avril. Aujourd'hui, on arrive au 5e tour. C'est juste magique. C'est quelque chose de fort qui se passe depuis un mois et demi. Vraiment très fort. Modeste pensionnaire de Départemental 4, la bande de copains a rendez-vous ce dimanche avec Planquette, formation de Régional 2. C'est même pas une bande de copains qu'on a créée, on est des amis très proches. C'est déjà surprenant pour nous de te voir ici. La Coupe, c'est un sentiment spécial. Tout le monde a envie de jouer la Coupe de France, tout le monde a envie de jouer contre Saint-Malo, contre Vitré, contre des grandes équipes. D'avoir battu deux R3 et une R1, surtout la R1 à la fin, ben ouais, c'est génial quoi. Certains de nos joueurs n'ont jamais vécu ça, tout simplement. N'ont jamais vécu ça. J'ai un exemple, c'est Anthony Lemonnier qui a joué au Stade Rennais, qui a gagné la Gambarde. Il m'a dit, l'autre jour, c'est la meilleure émotion du foot, depuis que je joue au foot, c'est la meilleure émotion que j'ai ressentie quoi. Et ça, quand le mec il te dit ça, et eh ben tu te dis, ben, on a gagné quoi. Allez, c'est parti! Dans la cité de l'illustre Châteaubriand, le parcours des footballeurs combourgeois a suscité intérêt et émotion pour toute une ville. On s'attendait pas à être là. C'est clair et net. C'est que du bonus. Et je me souviens très bien d'un discours que j'ai dit pendant l'entraînement. C'était juste avant l'opposition finale. Je leur ai parlé d'une belle histoire de la Coupe de France, qui était l'histoire de Tagarine l'année dernière, qui est un club qui s'est monté comme nous, de copains, avec des joueurs au même profil, des gens qui viennent de Paris, qui viennent de partout pour venir jouer le dimanche. Et je leur ai dit, si vous voulez la lumière autour de vous, c'est que par la Coupe de France. Quand on la réentend aujourd'hui, toute cette vidéo, on a l'impression que c'était écrit. On pouvait pas. Une fois qu'on avait gagné ce premier match, on pouvait pas s'arrêter au premier. C'était pas possible. Dans l'enfer noir d'Ille-et-Vilaine, où Chartres de Bretagne, club de Régional 1, s'était fait punir au tour précédent, Jérôme Blair et tout un peuple de Bretons survoltés comptent bien entretenir la flamme. Donc aujourd'hui, on peut perdre. Et d'ailleurs, on va pas se le cacher, il y a 5 divisions d'écart. On est en D4, c'est une R2. Alors oui, on a battu une R1 au dernier tour. L'objectif restera toujours le même, c'est-à-dire tous les gens qui vont passer ce portail ressortent avec le sourire, qu'on perde ou qu'on gagne. Là, on doit être prêts. Là, on doit être prêts tous, un par un. Un par un. J'habite à Combourg et je vous remercie des émotions que vous nous faites vivre tous les dimanches. Même si on ne connaît aucun de vous personnellement, nous serons présents dimanche pour vous supporter. Go Black Cats. Merci de redonner le sourire à mon fils et de lui redonner des étoiles dans les yeux. Continuez à vous faire plaisir et à rendre les gens heureux autour de vous. Le plaquette, il est fait ! Ouais ! Ouais ! Allez, allez ! L'heure du match a sonné. Les joueurs de Combourg ont désormais 90 minutes pour prolonger leur idylle avec la 105e Coupe de France de l'histoire. Le début de partie est combourgeois. Au rendez-vous, les Black Cats d'Anthony Mazel sollicitent Thierry Plair, le portier adverse. C'est bientôt au tour d'Adrien Gélin de s'essayer à la frappe. L'attaquant n'accroche pas le cadre. Planquette se réveille sur coup de pied arrêté, mais le gardien Antoine Monnier veille au grain avant de faire parler ses réflexes félins sur cette tête d'Emmanuel Bois. Alors que Combourg ronronne, le pensionnaire de Régional 2 sort les griffes. Excellent de bout en bout, Stéphane Gauthier fait tomber l'édifice combourgeois sur cette frappe limpide du droit. En désarroi des 500 supporters locaux massés au stade de Moulin-Madame, Planquette mène 1-0. Les visiteurs ne relâchent d'ailleurs pas leur étreinte sur cette action quand un Bissimo force trop sa frappe et manque le cadre. Il ne faut pas grand chose quelques instants plus tard à Thibaut Lejeune pour doubler la marque. Antoine Monnier se montre héroïque.
Menés à la pause, les Black Cats subissent au retour des vestiaires. Fabien Jagueux trouve encore le portier local sur sa route. Décidés à forcer leur destin, les joueurs de Combourg insistent, mais Quentin Letourneau ne parvient pas à inquiéter la défense adverse. Ce centre-tir de Régis Kobach échoue bientôt hors des limites. Les joueurs d'Ille-et-Vilaine n'ont alors pas plus de réussite sur cet ultime coup franc. Le coup de sifflet final vient alors valider la qualification des joueurs de Planquette, acclamés par leurs supporters venus en nombre. Brillant tout au long de leur parcours, les Combourgeois sont arrivés au bout de ce chapitre, mais certainement pas de leur belle histoire. Là, ce que vous avez encore démontré, les gars, ils vous ont pas explosé, c'est pour ça qu'on vous a pris. C'est pour ça qu'on a choisi chacun d'entre vous. C'est parce que vous êtes encore battus comme des yinches. C'est pas grave, on vit. Comme des chiens, vous êtes battus. C'est rien, les gars. D'accord ? Donc vous pouvez vous regarder dans les yeux, là. On va oublier tout ce qu'on a fait, hein. Tout ce qu'on a fait, les gars. C'est le début de l'histoire du club. On s'en souviendra toute notre vie. Toute notre vie, on s'en souviendra. D'accord ? Ça nous a donné des émotions de ouf. Ça fait ramener, on a 500 personnes aujourd'hui, 600 personnes. On est triste, mais on va se relever parce que voilà, le Sporting, ça va être plus que ce match d'aujourd'hui. Ça va être, c'est un état d'esprit et j'espère qu'aujourd'hui, ben, malgré la défaite, on l'a montré. J'espère que tout le monde est fier de nous. Oui, la fierté était au rendez-vous pour honorer ce groupe de vaillants bretons. Le beau parcours des Black Cats est un exemple de résilience, le genre d'histoire sur lesquelles Dame Coupe a fondé sa légende. Alors que toute une ville attend déjà impatiemment l'année prochaine, le Sporting Club a accompli des prouesses et a surtout réussi à faire rimer Combourg avec bravoure.